Yeah, tout le monde fait du kung-fu pour la critique de Mortal Kombat 9. Tan 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 tan. Un jeu avec des fautes d'orthographe dedans et même que pendant l'écran titre, un mec met son poing dans la tronche d'un autre. D'ailleurs, on appelle ça un MP, mais bon, c'est pas grave. S'il y a bien une licence qui est ancrée dans son époque, c'est la série des MK. Ça commence en 1992 dans les esprits malades de Ed Boon et de John Thomas de chez Midway, la fameuse boîte qui a commencé sa carrière en éditant Pong et le hack de Pac-Man le plus connu de tous les temps, j'ai nommé Miss Pac-Man. L'idée est simple, les Japonais ont le monopole du jeu vidéo depuis 1984, et il est temps pour les Américains de montrer que eux aussi peuvent revenir sur le devant de la scène avec leurs énormes pénis. Du coup, ils sont partis sur un gimmick assez particulier, celui du « Hey, on va faire un jeu de versus fighting, sauf qu'on va mettre du sang dedans, parce que ça fait vendre ». L'autre idée vient d'un autre constat, celui que la 2D commence à montrer ses limites. Oui, bon là je fais des guillemets avec mes doigts et vous me voyez pas mais j'ai l'air sacrément con. Et donc, ils nous pondent cette idée de graphisme digitalisé, ce qui donne un résultat plutôt... particulier. On a un peu l'impression d'être au festival de la fistinière, mais le jeu a un énorme succès populaire. On peut dire qu'il a les qualités de ses défauts et il finit par connaître 3 sites directs, Mortal Kombat 2, 3 et Ultimate. Et même 2 films où l'on peut admirer Christophe Raiden Lambert. Le sort de la Terre va dépendre de vous. Puis à partir de Mortal Kombat 4 sur N64, MK troque son gameplay 2D pour un univers en 3D particulièrement pourri. Et c'est là que les ennuis commencent, car chaque suite devient plus nulle que la précédente. Et c'est pas l'intégration d'armes blanches façon Soul Calibur qui change la donne. Le studio Midway Games est chaque année plus proche de la faillite, mais en 2009, miraculeusement repris par le studio Warner Bros, que j'ai pas besoin de présenter, j'imagine. Oui, je sais, c'est totalement improbable, mais c'est la réalité, et ça donne en 2009 un crossover qui l'est encore plus. Et oui, car les héros de Mortal Kombat ont depuis plusieurs années la chance de taper sur la tronche des personnages de Capcom, alors que ceux de DC ont maintenant la particularité de s'arracher joyeusement la colonne vertébrale avec ceux de Mortal Kombat. Ça donne un résultat plutôt moyen, sans être mauvais, les jeux n'est pas vraiment génial. Et puis, dans un souci de respecter l'image de cette phase de paix de Clark Kent, les fatalities sont très très soft, ce qui est dommage quand on sait que c'est toujours le principal intérêt de la série. Allez, on fait un bon spatio-temporel et on arrive donc en 2011. Le monde vidéoludique est divisé en deux. D'un côté, on trouve les vieux cons, et de l'autre côté, les jeunes cons. Un univers rétro-moderne en somme. Pour les développeurs et les éditeurs, c'est donc le moment béni de relancer des séries sur le déclin. On a par exemple en peu de temps pu assister au retour de Street Fighter sur le devant de la scène, de Duke Nukem qui aura mieux fait de rester coincé dans les années 90, et maintenant de Mortal Kombat avec Mortal Kombat 9. Plus qu'un remake, cet épisode est carrément un reboot de la série. Du point de vue du scénario, il reprend donc dans les grandes lignes les événements de la trilogie MK en 2D. Et là, je regrette particulièrement d'avoir pour règle d'expliquer le scénario de chacune de mes critiques. Enfin, quand il y en a un, parce que pour un Call of Duty, par exemple, c'est totalement impossible. Shao Kahn, un méchant sorcier catcheur immortel, règne sur l'outre-monde et rêve depuis toujours de venir foutre un joyeux bordel sur le royaume Terre, le monde des humains. Et une Valérie Damido. Mais le protecteur de ce dernier, alias Raiden, le dieu de la foudre, implore au dieu de laisser une chance au royaume d'air de se défendre. Le Mortal Kombat! Parce qu'il faut bien justifier le titre. Pour conquérir la Terre, Shao Kahn et sa bande doivent gagner 10 fois d'affilée ce tournoi. Et le jeu commence après les 9 victoires successives de ces derniers. Si le monde Terre veut continuer à vivre en paix, il doit absolument gagner le dernier tournoi. Et c'est à partir de là qu'on a droit à un scénario à base de trahison, de vengeance, d'amitié et de pétage de molaire. Bien sûr, et c'est une nouveauté, le scénario est expliqué par le biais du mode histoire, qui permet d'incarner chacun leur tour sur une période de 15 chapitres, la quasi-totalité du bestiaire du jeu. Bestiaire qui compte l'intégralité des personnages de la trilogie originale, plus Quan Chin, qui apparaît normalement plus tard dans la série, Kratos pour la version PS3, et Cyber Sub-Zero, une version cheatée de notre ami le lanceur de glace, ce qui nous donne un total de 31 personnages. Bon, le swap color est toujours présent, les 8 ninjas restent les mêmes personnages dans une couleur différente, mais ils ont tous une personnalité, un style de combat qui les différencie, et même si le background de chacun est sacrément kitsch à l'image de leur costume, on finit par vite s'attacher à chacun. Ou presque. Je parle de reboot scénaristique, mais c'est aussi le cas du gameplay, qui n'est ni plus ni moins que celui en 2D de la trilogie originelle remis au goût du jour. C'est moins rigide sans être plus souple que la concurrence, c'est plus dynamique mais aussi très simple à prendre en main. Chaque combattant avec un gros cap possède grosso modo 5 combos, 2 chops, 4 attaques spéciales et une super attaque, appelée ici X-Ray, qui est destinée à rajouter du piment dans les combats en multijoueur. Car même si le mode solo intègre une tour des défis particulièrement réussie, un mode arcade qui constitue encore une fois à se faire casser la gueule par l'ordinateur qui est comme d'habitude une vraie brutasse, et un système de monnaie pour débloquer des bonus, le vrai intérêt de ce titre reste quand même le multijoueur.
Et c'est là que Mortal Kombat se démarque de la concurrence. Tout est fait pour s'amuser entre amis. On prend en main un personnage en 5 minutes, on gagne 2 rounds et on admire le visage de son adversaire qui se mange une fatality. Et puis, si en plus on teste sa chance en intégrant des contraintes au hasard, on s'éclate encore plus. Et pour ceux qui habitent loin de leurs amis, le mode online est présent. Même si bizarrement, il souffre de gros ralentissements. J'ai testé ce mode avec mon ami Virgile, alias Balbol. Ne jamais, au grand jamais, jouer avec lui quand il prend Scorpion. Et on a trouvé que le jeu était beaucoup moins nerveux sans être désagréable à jouer, bien entendu. Car en fait, finalement, on passe plus dans un mode « je fais ma pute en lançant des boulettes et je fais des super attaques, c'est pas non plus désagréable ». En gros, ce Mortal Kombat n'est clairement pas le versus fighting du siècle, mais il reste un bon moyen de s'amuser entre amis. Et puis après tout, c'est pas tous les jours qu'on peut arracher les membres de sa petite sœur. Non? Un chandail. Tap 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 tap. Un chandail.